mieux dormi que les nuits précédentes, hein? Que les nuits précédentes, mon petit bouchon. Donc voilà, et ouais, on n'échappe pas, hein, au pic des 3 semaines. Et oui, on n'échappe pas au pic des 3 semaines. Mais maman, elle doit te remercier parce que cette nuit, elle a beaucoup mieux dormi. Donc, je te remercie, mon petit bouchon. Mais on n'échappe pas au pic des 3 semaines. Déjà, et ouais, nous, on n'échappe pas au pic des 3 semaines. Mouah. Voilà. Pendant 4 nuits, pendant 4 nuits, bah, ça a été un peu compliqué. Maman a été très très fatiguée parce que bébé réclamait beaucoup. Voilà, il réclamait beaucoup l'allaitement. Du coup, bah, c'était un peu compliqué pendant 4 nuits. Mais sinon, tout va bien, ce petit cul d'amour. C'est le début, hein, c'est normal, je sais pas. Parce que c'est l'échappe d'un petit mec. Mais on n'échappe pas au pic des 3 semaines. Et ouais, on n'échappe pas au pic des 3 semaines déjà. Mouah, mon petit bouchon. Et oui, on n'échappe pas. C'était très compliqué. Maman était vraiment. Il réclamait beaucoup, hein. Et des fois, il avait simplement pas envie de dormir. Mais cette nuit, il m'a réveillée que 2 fois. Et oui, il m'a réveillée que 2 fois. C'est très gentil de ta part. Un gros gros dodo. Bon, on a dodo. Et oui, c'est très gentil de ta part. Un gros dodo. Bon. On va aller en course. Voilà, on va aller en course. Allez, on va aller en course. Parce que j'ai des choses à aller acheter. Papa. Mon petit bébé. Coucou bébé. Oh là là. Bonjour papa. Bonjour papa. Alors, je tiens à faire un coup de gueule. Des fois que ça pourrait servir à quelqu'un. Là, je suis garée sur les places famille. C'est-à-dire que vous voyez, c'est des larges places. Là, vous voyez, c'est des larges places. Vous voyez, c'est des larges places. Et là, voiture. Sauf qu'une place famille, en fait, si on se gare, c'est pas pour rien. C'est parce qu'avec des sièges et avec les sièges auto, on a besoin d'ouvrir. On a besoin d'ouvrir les portes en grand. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez une place famille, respectez. Et pareil, quand vous voyez bébé à bord, c'est parce qu'on se gare sur une place de parking. On a besoin aussi d'ouvrir les portes en grand quand il y a pas de place famille. C'est juste pour ça. Voilà, c'est juste pour ça. Ça, donc, s'il vous plaît, respectez-les.
Voilà, merci, respectez-les. Autre un, non, mais franchement, regardez-moi. Ça, l'autre, il est venu se coller à ma voiture. Là, vous voyez bien qu'il est venu se coller à ma voiture. La voiture, c'est n'importe quoi. Vraiment. Alors, regardez. Alors qu'il y avait des places un peu partout, hein. Oh, non mais franchement, il est venu se carrer, il est venu se coller derrière, à côté de ma voiture. Du coup là, je sais même pas comment je vais pouvoir faire pour coller, mais bah pour pouvoir mettre bébé Lucas dans la voiture. Alors que c'est le siège auto. Non mais franchement, vraiment, il abuse les gens. Donc comme vous voyez, les gens, quand vous voyez à bord siège auto ou machin, c'est simplement parce qu'on a besoin d'ouvrir les portes en grand pour faire passer le siège auto. Voilà. Donc voilà. Alors qu'il y avait des places un peu partout, hein. Pff, il exagère, franchement. Oui. Hey, je t'ai manqué, loulou. Ouais. Oui, on va sortir. Attends. On va sortir. Allez, d'accord. Ilko, pousse-toi. Voilà. Bah. Et bon, d'accord. C'était une sortie spéditive? Oh!